En février dernier, Agathoprou fait sa première apparition dans Touche pas à mon poste en tant qu'experte média. Son charisme et ses interventions pertinentes, sans oublier son expérience de journaliste, tape rapidement dans l'œil de Cyril Hanouna qui lui propose de rejoindre la bande. Une offre qu'Agathoprou accepte volontiers. Depuis, la jeune femme fait beaucoup parler, notamment en raison de sa passion pour le football ou de ses décolletés vertigineux. Avant de rejoindre la bande de Touche pas à mon poste, Agathoprou a officié au sein de la rédaction du magazine Les Inoccupables. Dans une interview accordée au dernier numéro de Technicar, sorti le 7 octobre dernier, Agathoprou est revenue sur cette expérience au sein des Inrock. La chroniqueuse de Cyril Hanouna a notamment confié que le magazine lui avait refusé un article sur TPMP. Chose qu'Agathoprou n'a pas vraiment digérée. J'y ai vu une forme de mépris de classe, a-t-elle estimé. David Doucet, rédacteur de chef des Inrock, raconte de son côté, je dirais qu'elle déteste l'injustice. Elle n'appréciait pas le traitement éditorial des Inrock vis-à-vis d'Hanouna. En ce sens, elle est allée au bout de sa logique en partant chez lui. Le magazine précise, traduction, Agathe avait proposé un papier favorable à TPMP dans les colonnes des Inrock, que l'hebdo s'est empressé de refuser.